Le sport qui me fait vibrer au JO. Si je devrais le dire, waouh. Alors, je m'appelle Oumou, je suis étudiante à l'Université Paris 8 en communication. J'habite entre le 93 et le 91 et je suis aussi bénévole pour les Jeux Olympiques 2024. Alors, il y a plusieurs façons d'être volontaire. Soit on est volontaire parce qu'on a des postes différents, parce qu'après on est formé. Soit on va être bénévole en tant que pour les premiers secours, bénévole pour faire l'arbitrage des matchs ou des activités. Ou alors on peut tout simplement être bénévole pour aider à l'organisation du stade et pour aider le flux aussi qui va se passer dans la journée olympique pendant le stade. Donc du coup, quand on s'inscrit pour être bénévole, on décide à peu près au niveau des formations dans quelle activité on va être placé. Je pense que je serais plutôt faite pour tout ce qui est rediriger les personnes vers les stades, les activités. Parce que du coup, vu que je parle deux langues, je parle l'anglais et le français, du coup, ça serait plus simple du coup, pour aider les autres. Et c'est tout ce qui m'intéresse, parce que moi, les premiers secours et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai trouvé ce qui me correspondait. Les personnes auprès de qui on devait faire des inscriptions nous ont vraiment donné envie de le faire. Au niveau de l'expérience humaine que ça leur a apporté, je me suis dit, autant le faire. Franchement, on n'est pas beaucoup à être sélectionnés, donc franchement, autant le faire. Pour moi, les JO, on vit ça qu'une fois dans notre vie. Paris 2024, ça ne va pas arriver deux fois. Et c'est une expérience extraordinaire qu'on peut vivre qu'une fois. Et, du coup, j'ai décidé pourquoi ne pas y participer, pouvoir le raconter à mes enfants plus tard.